Bonsoir, bienvenue dans Haïti sa cap cuite. Invité nous à Soya, c'est Evelina Élisée Charlier. Nous allons parler de Haïti Nouvelle. C'est lui-même qui va le gagner pour présenter nous Haïti Nouvelle qui s'allie et faire différence pour nous entre Haïti Nouvelle et Petro Challenger. Madame Charlier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Robinson, bonsoir tout auditeur, auditrice Télévin. Merci de ce qu'on recevra. Nous en forme? Nous en forme, nous très bien. Merci parce que nous sommes avec nous. Haïti Nouvelle, qui s'allie s'il vous plaît? Haïti Nouvelle, c'est un mouvement citoyen. Haïti Nouvelle est parti d'un appel qu'on citoyenne t'a fait sur Twitter. Côté que t'a demandé un groupe citoyen, tout le monde qui est intéressé, tout le monde qui est en vie, qui est fatigué, qui t'a voulu ça changer, on nous fait rencontre. Qui est-ce que t'a demandé ça? La loi de ma bouche, qui est Patricia, qui est sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc, il a lancé appel là. Et puis, à partir de là, 18 août, tu as rencontré Haïti Nouvelle à créer. Donc, Haïti Nouvelle a son mouvement citoyen et citoyenne qui décide de mettre talent, compétences, qualifications ensemble pour nous proposer un nouveau modèle de société pour Haïti. C'est un bon projet qui a sous 30 ans. Un projet sous 30 ans, nous voulons venir avec un autre paradigme, si nous comprenons bien. Ça veut dire pouvoir, nous allons faire ça. Non. Citoyen, citoyenne, un projet citoyen, un projet citoyenne, c'est d'abord avant tout un mouvement social. Nous pas un parti politique, nous pas un ONG. Nous sommes un mouvement social qui est invité. En fait, nous pourquoi un parti politique ou bien? Nous pas un parti politique non plus. Nous c'est un mouvement citoyen. Citoyenne, nous c'est un mouvement social. Nous c'est un mouvement qui est invité citoyen, citoyenne, garder ensemble avec nous des problèmes conjonctus, des problèmes sur le long terme qui ont à voir avec la politique. Et qui mandé moun ki déjà élu yo, moun ki déjà nan parti politique yo, tant pris ban solution pour problème sa yo que nous identifié yo. Avant d'identifier problème yo et puis pour ban nou vision nou, qui est-ce nous y est? Qui est-ce nous y est? Nous c'est des citoyens citoyennes haïtiens. Mettez des noms. Moi-même par exemple, et Gilbert Mirambeau, et Stéphane Michel, Daphné Valmont, Patricia Camilien, nous c'est en pile l'autre monde. Ça veut dire ça, c'est tête de poste. C'était maintenant qu'on structure organigramme, côté que y a un directeur exécutif, président, coordonnateur général, les membres, conseillers, etc. Non. Haïti Nouvelle, vision, c'est l'idée avant l'idée. Nous sommes hétérarchie, c'est-à-dire un mouvement sans leader unique. Sans un grain de monde qui a dirigé, que tout le monde a suivi. Nous pas un mouvement côté que y a un grain de monde. Nous avons un comité? Nous avons un comité qui travaille. Bien sûr, si nous n'avons pas de comité, nous n'avons pas de faire tout ça, nous faisons. Mais nous n'avons pas de leader unique. Nous n'avons pas de grand monde qui vient et puis nous-mêmes n'avons pas exécuté. Le comité, je suppose qu'il y a des répartitions de tâches, ou responsable communication, ou responsable économie, etc. Oui, moi-même, je suis responsable de communication. Nous avons des gens qui sont responsables de cellules, qui sont Cathy Flore. Nous avons Patricia qui est responsable de toute documentation, recherche, etc. Et nous avons Gilbert Avem en fait en communication. Et nous avons une cellule finance qui est indépendante lui-même. Je vais venir sur le financement tout à l'heure comme ça. Mais le comité, ça, c'est lui-même qui coordonne ensemble d'activités d'affaires, c'est lui-même qui fixe les réunions, c'est lui-même qui prend qui les directives. Le comité, ça, c'est lui-même qui chita ensemble, qui brasse l'idée, qui pote les membres sur Facebook, membres voter. Par exemple, même le nous faisons réunion, c'est pour ça que nous pas grand leader unique, nous pas décidé tel jour telle réunion. Nous toujours mettez jour au vote, nous mettez l'heure au vote. Nous faisons une structure vraiment côté que tout le monde peut participer. C'est une structure très inclusive. Même nous, côté oui. Même nous, dans tout le pays, dans la diaspora. Tout. Parce que vous dites sur Facebook. Oui, nous avons une communauté sur Facebook, côté que nous brassons l'idée virtuelle, côté que nous brassons l'idée de nous rencontrer, mais nous faisons des rencontres formelles. Tout. Rencontres formelles, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a des adhérents, des gens qui suivent nous, qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent dans le concret, exact. Dans la réalité, qui suivent nous, participer dans les rencontres, nous avons des adeptes à travers tout le pays ou bien à travers notre pays seulement. Exact, nous avons des adeptes à travers tout le pays, nous avons des adeptes dans la diaspora. Tout. Nous avons des gens qui font rencontre, si nous faisons rencontre dans Port-au-Prince, par exemple, qui quittent la ville côté UEA qui viennent dans la rencontre physique. Là. Donc nous venons virtuel là parce que les facilités de travail, là, les facilités de communication, mais nous dans le concret. Ok. Maintenant, nous dans le Port-au-Prince, je ne vais pas dire dans le Port-au-Prince, mais actuellement là, nous Port-au-Prince, tout le monde du comité central là, et Port-au-Prince, nous ne pas craindre pour ville de province, pas dire son petit bar et mon Port-au-Prince. Non, ce n'est pas un mouvement mon Port-au-Prince. Au contraire, nous avons travaillé sur le chapitre Haïti Nouvelle.
nous mettons des chapitres dans différentes villes, nous lançons même appel là toujours sur les réseaux sociaux, les gens qui sont intéressés, qui adhérent de Haïti Nouvelle, son association citoyenne, j'aime nous dire, ils ont même recréé la structure Haïti Nouvelle directement dans la ville. Nous travaillons activement sur ça. L'idée, c'est un contrôle d'araignée pour nous partir de là et puis pour nous établir dans tout le pays à travers le chapitre. Maintenant, Haïti Nouvelle, ça lié comme vision, comme côté de aller, on t'a parlé de projet, ça projet. Mais vision, c'est pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne vivre dans la dignité. Son vision qui est très simple. Son vision qui partit de trois préoccupations que nous avons. Préoccupation faiblesse institution, yo, problème justice sociale avec question financement Haïti qui fait que nous toujours plongé couille, nous pas fait trop connait qui gens pour nous financer pays. Et ça nous fait à partir de préoccupation santé gagné yo, nous travaillons sur un guide. Un plan de travail qui c'est un guide qui va permettre nous écrire projet société que nous voulons proposer pour 30 ans. Dans projet société ça, nous travaillons sur trois axes. Nous parlons de investissement dans le monde, c'est-à-dire dans l'éducation, manger, la santé, investissement dans le côté où nous vivons, donc environnement, infrastructure et énergie, sécurité, investissement dans qui gens nous vivons, c'est-à-dire économie, la culture, travail. Donc, guide ça que du genre investir dans l'humain? Non, du genre investir dans le monde. Vrai investir dans le monde. Vrai investir dans le monde. Enfin, investir dans l'humain, c'est français. Là. Oui, nous t'as parlé créole. Moi, continue. Oui. Donc, ça nous proposait le. C'est parce que, une seconde, Vélina, c'est parce que investir dans l'humain, Aristide déjà a un livre sur ça. Ça fait me répondre, vous investir dans le monde. Ok, moi, continue. D'accord. Donc, ça nous proposait, guide ça que nous proposions, qui gagne différents axes, nous pouvons le porter à consultation. Nous pouvons faire des audiences publiques, parce que nous avons envie que rêve haïtien, c'est. On pile moun qui contribue la donne. Chaque moun gon l'idée que yo ta ka vin avèl, chaque moun gen opinion que yo ka gen sou guide ça. Donc n'a pote la consultation, n'a pran idée à droite à gauche, n'a travaille avec des professionnels, des moun qui qualifié sous ça pour n'ka écrit projet société. C'est pour ça nous dit d'abord l'idée avant l'idée et c'est pour chaque haïtien, chaque haïtienne vivre dans dignité. Ensemble de vision ça, c'est façon nous-mêmes dans structure ça nouvelle maintenant pour nous arriver faire appliquer je nous préfère appliquer lui faudrait-il que nous aux commandes est-ce que pas gagner dans nous qui gagner les aspirations pour David politique sénateur député magistrat président nous pas un parti politique pas parler de parti politique on parler de pas gagner nous même dans nous même tout qui gagner désir vinn candidat ça veut dire de rentrer dans Haïti Nouvelle ou pas de non 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 Haïti Nouvelle d'abord et avant tout c'est un mouvement citoyen. Côté que chaque monde est libre de faire ça, vous voulez, ou adhérer à une vision pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne vivre dans la dignité, ou pour des compétences, ou pour des qualifications, ce qu'on fait, ou pour être là, bah nous travaillons ensemble, nous créons une vision. Si nous avons envie à le candidat, il est libre. Il est libre. Mais est-ce que candidat qui est préalablement adhéré à Haïti Nouvelle, il est un candidat pour là, il peut adhérer à un parti politique, il peut être candidat sous un bannier, car il est indépendant, mais... Est-ce que nous avons supporté? Nous pas gain attribution ça. Nous pas gain attribution pour nous supporter un candidat versus un autre candidat. Au contraire, nous voulons porter information sur tout le monde qui est candidat. Qui est nié, qui vision. Qui plan, qui ça l'a proposé, qui qualification, qui compétence, qui ça l'a fait déjà. Nous voulons porter ça sur tout le monde qui est candidat. Il y a une façon que l'on citoyen a rempli de voix citoyenne, il compte pour qui ça l'a voté. Il connaît le monde qui l'a voté, à qui ça l'a porté dans Jacques. Maintenant, ensemble de points, c'est une dit dans les c'est façon par nous-mêmes, nous, c'est vision par nous. Tout le monde est obligé, ouais, même bien ensemble avec nous. Et pour nous arriver à appliquer vision par nous, Jean-Noël, là, faudrait-il que nous demandions là dans nous. Et moi, meilleure façon de demander là dans nous, c'est les élections, c'est prendre pouvoir. Comment arriver à atterrir vision par nous si nous pas vraiment pouvoir? Mais c'est ça qui fait nous dire que c'est un plan que nous avons proposé et que nous avons proposé à travers le pays. Vision, c'est arriver à atteindre. Dans 6 à 8 prochains mois, 500 000 personnes qui ont adhéré à Vision Noir à Gadel. Vision, encore une fois, c'est arriver à convaincre des personnes qui ont envie de prendre un port actif dans la vie politique, aligner à ce que nous avons proposé. C'est ça qui fait qu'il faut que les gens partagent la donne, il faut que des gens qualifiés, des experts, des sept personnes qui ont envie de soulever.
Parce que rêve haïtien, côté m'chita, m'a pas écrit. Mon moins sito yo là, pas écrit. Non. Rêve haïtien, c'est rêve chaque haïtien, chaque haïtienne. Et nous-mêmes, nous croyons que le possible. Maintenant, ensemble de sur ce tableau-là, Vélina, c'est des points qui, pratiquement dans tout le programme, toute organisation politique, qui dans, c'est tout ça, on nous a appelé. Ils ont connu déjà, ils ont identifié, les problèmes, ils ont identifié, ils ont mis des noms sous eux, nous connaissons. Qui ça fait le différent par rapport à notre programme, au parti politique gagné, par exemple? Encore une fois, on ne parle pas de parti politique. Donc, non, ça, je sais, dit, ça fait différent par rapport à notre parti politique. Dit différent d'un programme parti politique, parce que ça, pour un programme, un parti politique, ça, c'est un programme de citoyens, citoyennes qui dit qu'on s'est passé dans le bouquet plein. Ce n'est pas un programme de parti politique. Et je trouve qu'ensemble de points qui entrent dans le lieu, vous retrouvez autour de des programmes de parti politique. Oui, mais nous-mêmes, nous voulons proposer une méthodologie exacte sur qui j'en pour le rêver. C'est ça qui fait nous 12 ou 30 ans. Construire un pays prend temps. Ce n'est pas demain matin et ce n'est pas dans 5 ans que nous avons fait le mandat là que nous avons construit le pays. Ça fait nous voulons proposer une vision qui est rêve haïtien, que n'importe qui monde qui t'a vu sous pouvoir adhérer à lui-même et nous marcher, nous faire étape par étape. Ça prend temps. Nous pas cacher à chaque fois. Chaque 5 ans, nous recommençons. Que ce soit divergence d'opinion politique, nous. Il faut que nous ayons une vision commune, qui c'est une vision que c'est haïtien qui peut changer Haïti. La chose, Evelina, c'est parti politique, yo, structure politique, yo, parce que le parti politique qui est bien organisé, qui a des programmes, on était dans la dernière élection. Je ne vais pas dire un paquet, non, mais il y a quelqu'un qui a gagné des programmes plus ou moins bien préparés. Il y a tous des candidats, jusqu'à présent, on a cherché des programmes. Jusqu'à présent, une élection sur le fait en 2016, on a cherché des programmes pour engager nous. Mais pour qui ça y est obligé de faire des programmes pour là, alors qu'il y a déjà des programmes qui sont déjà bien ficelés, qui là, et il y a peut-être plus de pouvoir pour avancer ensemble avec lui. Encore une fois, ce n'est pas un programme pour un parti politique, c'est une vision citoyen, citoyenne haïtien, qui a dit Haïti nous voulait, mais qui s'allie. Donc, mouvement ça que nous y est, qui sont mouvement social, qui a fort, qui a dit mais qui ça nous y est, mais qui ça nous voulait, n'a demandé moun élu aligné sous vision, parce que nous définissons Haïti nous voulait. Quelque part, il faut que tout le monde comprenne que c'est la population qui mettait les gens au pouvoir. Donc, les gens qui sont au pouvoir, c'est employé population. Il faut qu'on tourne vers la population pour dire, nous avons pas mon mandat, non, programme moins. Moi, je dis, nous allons faire si, par rapport à ça, nous demandons mieux, mais qui ça me fait? Mais côté m'rivé, mais qui j'en m'a continué. Et c'est ça, dans la société aujourd'hui, que n'a prôné engagement citoyen. Forcer institution yo rend nous des comptes. Et c'est pour ça faiblesse institution arriver aussi loin parce que nous toutes complaisants nous chita n'attend la main, n'attend Messi, n'attend. Là nous mandé citoyen vin actif, engagé, apprendre qui ça cap fait. Institution qui placé pour ça yo, qui supposé bay des rapports annuels. Est-ce que yo bay yo? Si yo bay yo, li yo, cherche comprendre yo, pose question sur yo. C'est ça lié. Maintenant, quelle différence y a entre Haïti Nouvelle avec Petro Challenger? Haïti Nouvelle, c'est une organisation citoyen, citoyenne qui décide son association, yo adhéré à lui-même. Nous avons une vision, nous qui c'est chaque haïtien vivre dans dignité. Nous avons une chaîne de télévision en bas sur Facebook. Nous avons une activité sur expliquer moun ki sa corruption yé, activité sous instruction civique, etc. etc. Nous gagnons en bas dictature, nous soyons association citoyen. Petro Caribe Challenge là, son mouvement tout moun qui bouqué, qui besoin que réponde nous. Te gon prob, te gon fond, développement, qui ça ne fait prob là. Tout moun net, li pa gen met, son mouvement de pression qu'a continuer jusqu'à ce que les procès a qui fait. Donc, est-ce que capable dit Haïti Nouvelle A, c'est matérialisation puisque Petro Caribe Challenge c'est virtuel, c'est matérialisation Petro Caribe Challenge. Non. Encore une fois, pas grand monde pense qu'il va faire de lit. Il va faire de lit. Et qu'est-ce qu'il va faire de lit? En fait, si vous regardez dans le chronogramme des choses exactes, tweet qui t'est demandé en faire Haïti Nouvelle A.
lancé en 14 juillet. Tweet Gilbert qui est lancé. En mars? Oui, pardon, merci. Non, et pas Gilbert lancé en mars? Non. Tweet Gilbert l'a lancé 14 août. 14 août, ok. 14 août. Okay. Tweet qui m'a dit Haïti Nouvelléen en rencontre, etc. Lançons 14 juillet. Okay. Ils ont rencontré 18 août. Okay. Tweet Gilbert là, avec Tipan Kotlan, lancé au 14 août. 14 août, oui, je me rappelle. Et ainsi de suite, Petro-Caribé Challenge là, vient de rêver. Encore une fois, je crois qu'il y a un monde qui a campé qui dit qu'il s'est mettre Petro-Caribé Challenge là. Moi, même quand mon Petro-Caribé Challenge, je ne suis pas d'accord. Okay. Et je pense que tout Petro-Caribé Challenge, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire, nous, tous qui en Haïti, nous sommes des Petro-Caribé Challenge. Nous sommes des Petro-Caribé Challenge. Petro-Caribé Challenge là, encore une fois, il est supposé concerner chaque grain haïtien. Ou gen doit pas adhérer à vision association Haïti Nouvelé. Mais pour moi-même, haïtien, haïtienne, qui vle konnen ki sa ka passe dans pays, poser question pour kòb Petro-Caribé. Qui l'a venu faut que nous, parce que Haïti Nouvelé était virtuel avant de commencer ville concret et j'en affaire là. Qui l'a nous décidé faut une structure d'être nous plus. Non, rencontre 18 août là. Nous décider faut mettre structure faut rencontrer nous dit nous pas kachita à parler un pile groupe hein ça fait déjà kachita yo parler yo parler yo réuni yo réuni première fois tu gain 200 monde deuxième fois gain 100 ainsi de suite jusqu'à ce que yo campé nous te connais très bien que virtuel là son outil mobilisation qui puissant surtout au niveau de la jeunesse qui très très puissant son outil que nous servir avec mais force autre dans virtuel là faut chita travail faut écrire l'idée yo faut écrire son vle faire yo faut là-dedans pour concrétiser. Donc à partir de première rencontre là, nous sorti là. Actuellement, combien membres nous gagne à part de cellules, comité ou tapé ou dit nous là tout à l'heure là qui gagne ou même Mirambeau et la loi de Mambouche etc. et la dame les adhérents. À part de ça, nous à peu près 2000 et quelques sous groupe Facebook là. Et nous pral migrer bientôt vers site internet nous haitinouvelle.org côté que tout le monde ka inscrit formellement. Non pas le virtuel là, on parle de réel là. C'est une des monde qui viennent dire yo adhérer ensemble avec yo participer dans des rencontres que nous fait. Oui bien sûr, l'on fait des rencontres. L'on fait rencontre au minimum nous en cinquantaine soixantaine de monde. OK. OK, qui sorti dans Port-au-Prince tout côté. Majorité dans Port-au-Prince, bien entendu, rencontre faites dans Port-au-Prince, mais nous gagnons plusieurs des fois qui sont Jacques Mel, qui sont Semok, qui sont Gonaïve, qui viennent. Nous disons que nous ne sommes pas un parti politique, nous ne supportons pas aucun parti politique. Ça qui est différent pour Petro-Caribé Challenger, il y a même toute l'attitude, yo, puisque c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus englobé et plus monde. Pas de contrainte ça dans Petro-Caribé Challenger, non? Pas qu'à parler pour l'autre Petro-Caribé Challenger. Parce qu'encore une fois, j'aime dire, Petro-Caribé Challenger, c'est un mouvement de tout le monde. C'est un mouvement que la population a baissé pression pour demander pour l'institution de faire travail. Yo. Pour demander de poser des questions sur l'ingérence qui a gagné dans le fonds de développement que Petro-Caribé a été. Yon Petro-Caribé Challenger, car on vit candidat demain matin. Il y a des gens que le connaît, qui prend le candidat, qui a un programme que le connaît la donne, que le supporte. Il y a quelques semaines de ça, le Premier ministre a cherché une sorte d'interface dans Petro-Caribé Challenger. Peut-être qu'il est capable de venir à Haïti nous voulons. Qui est structuré, qui a des noms, qui a des visages. Pardon. C'est parole. Pour comité. C'est parole Haïti Nouvelé. Haïti Nouvelé, son association citoyenne, qui propose un projet société. Mais là, si nous entrons dans. PM n'a besoin des experts, Ruben Fon. Si nous entrons dans la commission, pas des experts. Non. PM n'a besoin des experts. Il a besoin des gens qui ont fait audit. Il a besoin des gens qui ont fait enquête, il a besoin des gens qui ont le système bancaire là, qui ont cherché blanchiment l'argent, etc. Non, moi-même, moi en communication, je n'ai pas de compétences, ça me va le faire dans la commission. Nous, peut-être qu'on a cherché, puisque nous. Non, c'est travail PM, non, c'est pour ça que nous employons. C'est employé nous liés. Moi-même, moi-même, toute population. Ça veut dire que nous prenons des services, nous allons les chercher. Travail, il est supposé faire. Okay. Institution, il est supposé fort pour le café. Travail. Chaque monde supposé faire ça, yo qu'on fait dans le pays. Cette histoire de docteur qui demain matin artisan, c'est l'éclat là. Faut que moun nan gen compétences, qualifications, études que le fait. Moi, pour exemple, nous d'accord, un médecin qui a un artiste, nous d'accord. Moi, pour exemple, sans offense à médecin et à artisan, moi, pour exemple,
Moi, je voulais dire que les gens qui travaillent dans le bureau de l'État, dans la machine de l'État, supposent des compétences et des qualifications pour ça. Ok. Est-ce que dans Haïti, nous avons un groupe de pression tout? Par exemple, de regarder comment le gouvernement a fonctionné, de prendre des positions pour dire gouvernement, on parle tel côté, on pas d'accord, président, on parle tel côté, on pas d'accord, on a pris des positions sur le fonctionnement. En 2020, on a transformé en ça que relais un laboratoire l'idée et un groupe pression. Un laboratoire l'idée côté que nous avons travaillé sur des idées concrètes que nous avons proposées ou bien que nous avons lancé alerte. Si par exemple, dans des quartiers, nous vivons très bien ensemble et puis nous commençons à remarquer que l'écart entre les gens qui gagnent moyen versus moun ki gen moins moyen à élargi sont indicateurs qui doivent avoir alerte. Donc n'a pas proposé des idées pour réduire écart ça yo et n'a pas groupe pression qui veiller. Ça crive jodi an c'est que dans Haïti nous voulons nous engager nous rentrer dans un sacerdoce qui est le sacerdoce de la lutte contre la corruption et le sacerdoce de mener Haïti en l'autre côté. Idéologiquement nous avons préférence gauche, droite, capitaliste, socialiste. Idéologiquement, non. Idéologiquement, nous croyons que rêve haïtien possible, c'est haïtien qui peut faire et faut prendre des décisions qui sont basées sur la science, sur données, sur logique. Vélina, est-ce que Haïti Nouvelle a transformé en un groupe de pression? C'est vrai qu'on ne parle pas de politique, nous ne parle pas de supporter un candidat, nous ne parle pas d'élection. Mais est-ce que nous transformer nous en un groupe de pression pour que nous intervenions? Pour nous dire, Premier ministre, quel est le bagage que tu as supposé faire? Président, sénateur, député, magistrat, un groupe de pression pour faire avancer les choses? Oui, en fait, en 2020, dans le chronogramme d'activité que nous avons fait, en 2020, nous avons transformé en un laboratoire l'idée. Un laboratoire l'idée, ça veut dire c'est des groupes de professionnels qui mettent tête ensemble pour proposer l'idée pour nous continuer à avancer, arriver dans Haïti nouvelle. Ça veut dire par exemple, si nos zones, on vit très bien ensemble et puis nous remarquons que l'écart entre les gens qui ont des moyens versus les gens qui n'ont pas des moyens a agrandi, nous avons un indicateur alerte qui a déjà dit qu'il y a un problème là, il faut intervenir. Donc, nous avons positionné pour nous capables d'aider sur ça. Faut que on intervenir pour attirer attention. Non, faut que nous intervenions pour attirer attention et l'UO sous lit et mettre pression tout pour yo prendre des mesures concrètes pour écart ça pas venir en guerre civile par exemple. Parce que nous connaissons des fois autorité pas bon si tu as un petit dit pour entendre. N'a mettre pression. N'a faire manifestation. Non pas faire manifestation, mettre pression. On connaît que c'est on défaut que nous venons gagner qui datait de peut-être toute lutte qui vient mener dans 86 des pas dictature côté que nous pensait que c'est dans tout pression... pays non, c'est pas ça me voulait dire côté que nous pensait que pression c'est seulement par manifestation que le fait pression pas faite seulement par manifestation il y a différents autres moyens qu'on capable faire pression on a regardé la venue dans abri oui il a dit que des pressions pas là autour de pas je m'occupe. Quand on va pression là, oui, on fait manifestation, bloquer route, malgré même contre bloquer route là, absolument, on compte totalement, il y a tant d'eau. Moi, je pense que les gens qui regardent notre pensée, ça a une raison. Parce que jusqu'à présent, effectivement, et l'unier, c'est ça, ils ont montré. Ils ont montré que c'est seulement le nous prenons la rue que vous attendez. Même gens, nous t'a demandé depuis très longtemps, moi, je fais longtemps, m'attendais Franz Duval qui a parlé de ingérence fond Petro-Caribe, ça, article sorti sous lit, émission faite sous lit, c'est des alertes qui ont lancé. Mais effectivement, c'est la pression. Millions de gens dans la rue arrivé, que tout le monde commence à brasser de l'air, et tout à coup, j'ai l'impression que élus attendaient nous. Donc, oui, si les gens qui ont regardé maintenant, c'est ça la prière, l'homme dit ça, oui, il a raison. Mais moi, je voulais juste dire que l'homme doit en 2020, dans ton laboratoire, l'idée, qui a produit l'idée, et qui a un groupe de pression, pour mettre pression, pour changer les choses, pression pas passer seulement par manifestation. Donc, nous attendons 2020 pour que Haïti nous voulait intervenir sur des dossiers. Mais nous déjà fait. Nous déjà fait. Petro-Caribe Challenge, nous sommes des membres actifs là-dedans. Nous participons dans sit-in, nous faisons manche de 7 ans. Il n'y a pas Haïti Nouvelle, mais il y a des gens Haïti Nouvelle qui adhèrent à Petro-Caribe Challenge. Justement, tout ça, oui. Pour Petro-Caribe Challenge, est-ce que nous conscients, par exemple, même qui sont Petro-Challenge, est-ce que nous conscients, nous, en quelque sorte, redéfinir
et cadre et politique là en Haïti. Il y a des gens là pratiquement avec tous ces tout financement avec eux, pas capable représenter en 2022, qui pas capable parler dans l'élection qui va le fêter l'année prochaine et législative et pas capable aller. Non, mais qui déjà prend des frappes sérieux avec les dossiers Petro-Caribé ça. Petro-Caribé challenger. Mettons pression telle que nous casser en pile bluff. Nous descendons en pile arrogance. Ou ingérence qui fait dans des fonds et leur poser question, ils montent sur vous, ils arrogant, comme si vous n'avez pas le droit de poser question. Chaque citoyen dans le pays, ça a le droit de poser question. Nous craser ça. Nous craser ça, oui. Mais Petro Caribé Challenger, vous-même, vous avez le droit de supporter mon yovle. Encore une fois, nous disons ça tout à l'heure. Petro Caribé Challenger sont individus qui ont toute liberté et toute droit. Par exemple, vous-même. Qui est-ce que vous connaissez Haïti Nouvelle, qui est-ce que vous connaissez Petro Caribé Challenger? Depuis que je mette hashtag Petro Caribé Challenge, ou même dans la rue à la 18 novembre, je demande quoi de Petro Caribé, c'est Petro Caribé Challenge. Haïti Nouvelle dans la rue à tout, parce que membre Haïti Nouvelle lutte contre la corruption, c'est un dans cheval bataille. Ça veut dire que vous avez mais Haïti Nouvelle pas mettre Petro Caribé Challenge, non, parce que encore une fois, je me dis tout à l'heure, Petro Caribé Challenge n'est pas de mettre. Il y a une question que mon a posée, d'abord le matin, mais c'est madame posée, c'est cause de financement. Il y a toujours demandé nous ça, et des fois l'un des dans Petro Caribé Challenger, le demande nous côté qui est financement. Nous demandons nous fâcher sur toi là, mon petit casse pas été nerveux, le demande nous financement. Pour Haïti nous oublier, côté de financement. Je suis bien content de poser question. Et moi pas penser personne nous doit fâcher leur demander. Voilà tout pour ça. Parce qu'en fait, il y a tellement appauvri nous, il y a tellement connu que corruption en fond n'ont pas qu'à gonfler nos poches non. Donc ils pensaient qu'en douzaine de maillots qui coûtait 2500 gouttes n'ont pas qu'à faire. Tellement ils connaissent fraude à faire, ils font bien. Qui y a ça? Mon qui mettait dans l'état nous hier, élus nous. Nos dirigeants. Nos dirigeants. Okay. C'est ça que fait ouais 50 millions de tibouis absorbés côté nous joignent comme côté nous joignent comme nos poches nous. Nous fait des choix au lieu d'aller dans bal, nous achetons douzaine de maillots. Nous prenons la rue. C'est ça que nous faisons. Haïti nous voulait, nous pas mettre salaire peut-être, nous pas compter le nous. 2 heures du matin, 3 heures du matin, dans le travail. Nous allons à l'école. Nous avons fait un bon diplôme. Nous avons eu la chance de jouer un professeur qui, malgré des fois, peut-être pas touché, nous avons eu la chance de nous mettre tonne l'argent dans la poche, nous, l'argent loisir. Nous couper là-dedans. Pour nous investir dans des choses que nous pouvons là-dedans. Par exemple, si moi je viens adhérer ensemble avec nous, nous sommes boss, il y a un pile quoi, nous décidons de mettre quoi disponible. Définis boss. Définis boss. Parce que ça nous est les boss, ça nous est les boss en Haïti, sont l'agent sale que Haïti nous voulait avoir là-dedans. Non, pas forcément. Mais si vous voulez dire que nous sommes chef boss, entreprise qui gagne moyens financiers, ça fait un monde où on définit boss. Parce que l'autre nous dit boss dans la rue, ce n'est pas boss ça, nous dit. Non, pourquoi pas dire le tout? Pourquoi pas dire tout? Pas boss pas aussi péjoratif, patron pas aussi péjoratif que. Nous avons plutôt dit patron. Ok. On a dit que nous avons plutôt. Voilà. On nous dit ça. Et quand nous venons venu ensemble avec nous, nous voulons mettre quoi? Pour que nous fassions des activités, nous avons refusé? Non. Au contraire, Haïti nous voulait une cellule finance, nous structurer en association. N'a pas fait des campagnes de levée de fonds, n'a pas vendu maillot, n'a pas gagné compte en banque, n'a pas invité monde qui voulait contribuer avec nous, venir contribuer avec nous. Bien entendu, nous pointilleux sous qui comme n'a pas accepté. Nous pointilleux sous qui comme n'a pas accepté. N'a pas lutté contre corruption. Qui comme n'a pas accepté? Des comme qui clean. Qu'on va le faire qu'on est comme la clean. Ah non, qu'on est. On met quoi? OK. Qui peut monde capable de venir adhérer? Qu'importe citoyen, citoyenne haïtienne, que ce soit côté la vivre dans le pays ou dans la diaspora, qui envie pour chaque grain haïtienne, vivre dans la dignité, qu'a adhéré à Haïti. Vous pour gagner infiltration et pour gagner. Infiltration de qui ça? Il y a un haïtien qui envie, haïtien pareil, vivre dans la dignité, ça l'a vu infiltrer. La poter l'idée de nous, la mettre dans la avec nous. Influencer nous, il faut être influençable. Tout le monde est capable d'influencer. Moi, je ne suis pas influençable, non. Non. Tout le monde est capable. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est influençable. Je ne suis pas influençable. Moi, je crois que si je mange chaque jour, il faut l'autre monde qui est bon côté de moi, qui mange chaque jour. Moi, je crois que si je paye l'école petite, il
si m'ka gen espoir voye nan bon université pou yo jwenn bon travail, faut chaque grand haïtien, chaque grand haïtienne ka fè le même genre avec. Au souligner Venena, nous pas jwenn financement de aucun secteur en particulier qui est bon comme c'est comme dans poche nous actuellement là n'a fonctionné. Oui. Moi pas souligner non, moi affirmer. Je sais quoi dans poche nous n'a fonctionné. Comme dans poche nous n'a pas. Par exemple, si tu as gagné un institution qui n'a pas gagné un boulot avec politique, ou bien un mécène qui n'a pas gagné un boulot avec politique, qui veut supporter nous économiquement, nous ne pouvons pas accepter comme ça? Bien sûr. Je vais prendre un exemple avec vous. Dans Haïti, nous voulons, nous avons une série que nous voulons faire qui parlait de qui sa corruption est et qui fait promotion éthique. C'est des séries que l'équipe technique qui travaille sous l'IAN, même si moi-même, comme moi dans la communication, Gilbert dans la communication, qui a créé scénario, etc. Mais l'équipe technique, la caméra, le monteur, etc., il faut payer. Donc, si un citoyen qui a ça même genre avec qui dit combien on a besoin pour ça, et que nous avons le budget, et que nous faisons toute transparence, donc que leur poser une question, nous avons EAE, nous dit exactement, nous avons 50 gouttes, nous dépensons tel genre. Clair avec toute transparence, merci en pile. Merci en pile. Si par exemple l'État gouvernemental est bon, nous avons fonctionné parce que nous avons fait un bon travail. Nous avons fait travail pour le peuple là. Nous-mêmes, encore une fois, dans poche nous, nous avons financé Haïti nouvelle. L'argent de l'État supposé aller dans renforcer l'institution, ramasser Fatra, pas vrai, bah nous bon l'hôpital. On va continuer à citer toujours. Bonjour. Donc, que l'agent l'État bonjour fait ça que l'il est supposé faire. Haïti Nouvelle-A. Vous avez estimé que Haïti Nouvelle-A, son structure, qui a une belle idée, qui a un bel côté de l'aller avec les plans de projet de l'Ouvelle-A, il a voulu renforcer, mettons, un petit quoi bon. Non. Le gouvernement a pile travail pour le faire. Il a ramassé pile fatra. Il a voulu nettoyer l'hôpital général. Il a eu une subvention dans le gouvernement. Non. Donc, c'est ça. Nous clés sur ça. Grand pile travail qui besoin fait, faut que le gouvernement commence à mettre l'argent bon côté. Réduire dépenses l'État, mettre l'argent bon côté. Nous supposons nous faire un peu de réflexion sur la réalité socio-politique là, économique là. Est-ce que nous faisons des réflexions par exemple sur récemment Maurice Jean-Charles, ancien sénateur, qui descend le drapeau constitution, hein, mettez à bleu et rouge là, il met un drapeau noir et rouge, vertière, et dans tout nord là, dans toutes les cas parisiens, taper dans la manifestation avec le drapeau noir et rouge là. Nous proposons sur ça? C'est pour ça encore une fois, il faut que l'institution soit forte. Moi-même comme citoyen, Haïti Nouvelle-A comme association citoyenne, qu'a gros opinion sur ça. Mais c'est pas rôle nous pour faire respecter la loi. Fok institution yo fort pour yo faire respecter la loi. On moun nan pays a pas ka lever demain matin lisser drapeau. Ça veut dire. Fok institution yo fort, fok yo indépendant, fok yo gen moyen pour yo travail, fok c'est moun compétent qui pas corrompu qui là dans yo qui pour faire respecter pays. Donc, ça fait là, nous clairement prendre distance, nous pas d'accord avec lui. Nous pas d'accord avec lui. Maintenant, en réflexion, Vélina, sur la situation pays en général. Nous, un gouvernement fait compter, environ 2 mois, il va gagner 2 mois, et la cherche manque toujours libre au cas je ne dis. Je dis à la m'dap gade matin, goud la, soit sous besoin de dollars, là, il faut au moins 75 goud, avec indicateur macroéconomique qui est rouge. Une réaction sur cette réalité? Moi, c'est que l'évident que le monde qui a mené un bac aujourd'hui, là, il a navigué dans le noir. Donc, l'île, le temps pour institution indépendant, pour yo fort, pour yo faire travail. Élu, l'île, le temps pour yo prendre des décisions fortes qui méritent prendre. Et pour tes amis, parrainage là, fini. Pour le c'est institution ou bien élu? Institution pas fort. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ça. Je ne dis pas que c'est un bagage qui pas existé. Et élu corrompu. Donc, il est le temps que le nouveau PM, qui a seulement 2 mois, que n'a pas de chance de montrer nous qui ça a fait, prend des décisions qui sont fortes et des décisions qui ne pas brasser de l'air, qui ne pas mettre plus de problèmes dans des bagages qui sont déjà compliqués. Que il prend des vraies mesures qui respectait la loi, qui allait dans ça la loi dit, dans étape la loi dit yo, et qui pas plus que aider avancer, entraver
procédure qui t'a dû être faite. Opposition politique là et de même lié à l'anticasse beaucoup plus loin. Il estime que c'est tout le même qui pour aller président, pour le ministre, remplacer par l'autre monde pour que l'institution ça va dire qu'il y a une faire une petite jambe et ça va avancer dans le projet et qu'il voulait qui c'est entre guillemets développer le pays. Je respecte l'opinion de chaque citoyen. Mais en Haïti, nous voulons nous-mêmes nous demander pour l'institution fort, pour prendre responsabilité, pour faire le travail. Nous n'avons pas aucun discours de. Il faut aller, il faut le rester. Nous n'avons pas aucun discours ça. Nous demandons que l'institution soit forte, que soit renforcée, que soit prenne les bonnes décisions pour que soit nous audit, enquête, procès, restitution dans quatre dossiers Petro-Caribéa et pour que soit nous des plans concrets, des chronogrammes concrets, des actions concrètes. Pour nous arriver dans Haïti, nous voulons. Nous avons un local, on a fonctionné, un bureau, on a fonctionné, on a adresse, on a un numéro de téléphone. Jusqu'à présent, nous sommes des nomades. Donc, nous dans le virtuel et puis, bon, de temps à autre, réunion fait. Nous avons réuni, nous avons réuni. Nous réunis avec les amis, nous réunis avec les gens, avec les adhérents, avec nous réunis différents côtés. Okay. Mais pourquoi un bureau? Nous pourquoi un bureau. Mais nous besoin un bureau? Nous avons besoin de bureau, oui. Ok, je me dis ça, il y a regardé là, il y a des gens qui ont besoin de bureau. Il y a des gens qui ont besoin de bureau. Oui, nous avons besoin de bureau. À part le 18 novembre, pour participer à la manifestation qui a fait la manifestation, qui a plusieurs objectifs. Comme ça. Même avec le 17 octobre, et nous avons eu un gagnant qui a demandé la reddition de compte sur Petro-Caribéa et gagnant tout qui a demandé pour le président aller. Et ça, pas le fait là encore, c'est même bagarre, il y a des politiques qui a déjà annoncé la couleur et que. 17 ans, c'était trop frais. Il n'y a pas de petit piment, il n'y a pas de petit chaleur. Dans la place Koto Chitala, Maurice Jean-Charles Chitala, il dit qu'il y a des autres qui peuvent faire carrément une manifestation 18 là. Je suppose que nous-mêmes, nous ne sommes pas pour des autres. Nous toujours lancer et sous-suivre nous sur les réseaux sociaux, nous tous qui adhérent à Haïti Nouvelle, nous toujours lancer message non-violence là très fort. Nous avons demandé tout le monde de venir dans une marche pacifique parce que nous croyons que c'est seulement dans des luttes non-violentes que nous avons construit. Pays sous des bases qui sont beaucoup plus solides. Pour qui ça? Parce que construire un pays prend temps. Construire un pays prend logique. Il n'est pas basé sur émotion. Donc nous-mêmes, nous toujours lancé des poches pacifiques en façon pour tout citoyen qui sortit dans la rue, sentir l'insécurité. Nous demandons la police tout pour le faire travailler. Pour la police, elle était calme, pour les protéger. Pour aider, mais son marche pacifique, nous demander tout le monde, pas peur sortir, demander, réclamer, exiger réponse, suggestion, fonds Petro-Caribéa, pacifiquement, son droit que nous gagnons. Après 18 ans, quelle autre activité nous avons encore? Après 18 ans, dans Haïti, nous voulons, nous pouvons concentrer en pile sur finaliser documents, projets de société noire. C'est sous lui que nous avons travaillé jusqu'à juin 2019, côté que nous avons présenté. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, particulièrement pour nous soutenir Petro-Caribé Challenge, là, nous voulons sortir une série de choses sur la corruption. Okay. Nous continuons avec l'audit collectif là, et nous commençons tout en série sur l'éducation civique et la promotion éthique. Eh bien, Vélina, Charlie, merci parce que vous êtes avec nous dans Télé 20. Haïti Nouvelle, mes potes télé ont été ouverts pour nous, qui potes les nouvelles, sans problème, mais nous avons bien une possibilité pour nous avoir occasion pour parler de projet. Merci beaucoup, Madame Charlie. Merci un peu de vous recevoir et puis merci que nous avons écouté. Haïti Nouvelle, c'est voile une voile que tu as parlé là, Madame Vélina Charlier qui est ensemble avec nous. Merci parce que tu es sur Télé 20. Tu es ensemble avec nous dans la croisée. L'autre, l'autre, Haïti, c'est capable. Bonsoir.